Donc je réitère, hein, je vous souhaite à tous une très très belle année 2019. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur, de joie, c'est sincère. Pour ma part, ça va être une année de transition, puisque ça se confirme. J'ai eu déjà les premiers rendez-vous avec les premiers organismes pour monter les dossiers. Moi, j'arrêterai mon activité d'éleveur à la fin de l'année. Donc, c'est mon dernier hiver. Ça ne va pas être le plus facile. Physiquement, c'est plus dur. Mais bon, ça fait partie du... Ça fait partie de la vie. Alors après, une journaliste hier m'a dit, et après, le devenir de votre activité sur les réseaux sociaux, enfin le devenir du blog et tout ça, aujourd'hui, je ne vais pas vous répondre, je n'en sais rien. Mais peut-être que la vidéo est un peu un appel, au sens où, si ma toute petite compétence peut être utile à des structures pour essayer de s'approprier l'outil et puis de gérer peut-être une communauté ou de gérer quelque chose, il n'y a pas de souci. J'aurai normalement à partir du mois de novembre ou décembre, j'aurai quand même du temps libre et je saurai. Peut-être je peux faire un certain nombre de choses. Alors, je sais pas. Je lance ça un petit peu comme une bouteille à la mer en disant peut-être que si certains se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire, qu'ils ont envie de construire quelque chose et que ce soit pas à l'autre bout de la France, parce que je veux dire, faut pas que je me crée des contraintes plus que je ne puisse en supporter. Aussi, certains pensent que ça peut être utile de travailler, y compris peut-être avec des réflexions sur l'avenir de la profession, l'avenir de la filière et tout ça. Moi, je suis preneur en toute modestie et ça va simplement profiter de mon expérience. Bon, après, il ne faut pas que ce soit... j'apparaisse trop prétentieux en disant ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Peut-être qu'on va avoir un peu de soleil cet après-midi. Enfin, et profiter un petit peu de la météo. Et si c'est ça, moi je vais repartir dans les broyages de haies. Ils ont pris beaucoup de retard, mais bon, c'est pas grave. J'ai jusqu'au mois de mars pour les faire. Et de toute façon, je pense bien finir avant. J'ai quand même bien avancé. Voilà, bonne journée à tous.